Hey, c'est tout le monde, c'est Boscaman, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on est sur Advance Warfare, et on va tester le nouveau DLC Ascendance. Je ferai une vidéo par map, je ferai une grande vidéo zombie non condensée, où vraiment je mettrai toute la game, de la manche 1 à... Putain, bâtard, elle a la Insanity, là. Putain, elle est tellement belle, le jour où je l'aurai, putain. Ça va être liaison satellite, le mode que je déteste, mais bon, c'est pas grave. J'ai vite fait les classes. Alors attendez. Ça sert vraiment à la classe de bâtard par excellence. J'ai juste viré ça, ça, ça. C'est invisible à la place. Et j'ai juste envie de mettre. Hop, voilà. Comme ça on est bien. Ah putain, je voulais mettre des grenades. C'est vrai que ce qui me manque, c'est des grenades sur cette classe. Donc site 244, première fois que je fais cette map là. J'ai testé la map Perplexe et l'autre, je sais plus comment ça s'appelle. Shop shop. Voilà. C'est les deux seules maps que j'ai testées. Après les autres, c'est la totale découverte, dont celle-ci. Donc on verra bien. Liaison satellite, c'est un mode de jeu assez court, donc la vidéo ne devrait pas être non plus ultra longue. Donc voilà. Nouveau petit DLC. Donc l'arme qui vient accompagner ce DLC, bien sûr, c'est l'OHM. J'avais déjà fait une vidéo sur cette arme là, je ne vais pas la prendre parce que j'ai pas trop. En fait, je l'aime pas tellement. Je dois vous dire. Et donc là, j'ai choisi le mode de jeu Exo Grappin, n'est-ce pas? Où en fait, tout le monde, que ce soit. Que vous ayez une classe par exemple avec Exo sur cadençage, vous l'aurez plus et vous aurez automatiquement l'Exo Grappin. Voilà, sur toutes les classes de chaque personne qui jouera. Voilà. Donc bref, vous avez compris, puis vous pouvez lancer aussi le mode de ce mode. Enfin, vous pouvez aussi lancer ces maps en normal avec votre propre exo compétence que vous aimez. Donc voilà, il y en a pour tous les goûts. Alors après, j'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Bon, j'ai lancé qu'en exo grappin, mais je crois que j'avais lancé au début. Pour voir s'il y avait possibilité de, si même on n'était pas en mode exo-grappin, de pouvoir mettre quand même l'exo-grappin. Et je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on puisse le mettre même si on est en. Enfin, vous êtes obligé de jouer dans ce mode-là en fait pour avoir l'exo-grappin. Donc après, bien entendu, vous pouvez tuer des gens avec le grappin. Je vais pas arrêter de le répéter. Ah, t'as eu le sub là, hein. Bâtard. S'il te plaît, protégez-moi s'il vous plaît, ce serait vraiment cool pour le coup. Ah putain, faut bien que je sois là pour marquer des points quand même, hein. C'est vrai qu'il se la pète pas trop. Il va se mettre au même endroit, le bâtard. Il va essayer de me buter avec son putain de grappin, je le sens. Voilà, putain, le bâtard, j'aurais pas dû bouger. C'était au chien. Ah là, c'est le mot. Hein. Il y en a plein qui essaient quand même de le faire. Vous voyez, c'est tentant. C'est un peu comme, quand on a les drones à pointe. Quoi. Toujours un peu tentant et tout. Oui, donne-le-moi. Satellite obtenu. Hop, on va tenter de gérer, n'est-ce pas? Hop. Hop, lance. Ah, elle est pas dedans. Ah, oh, je suis déçu. Elle est pas dedans. De la grosse merde. Il l'a pas mise alors qu'elle était à côté. Toi tu die, bitch. T'avais quoi? Un petit morse. Silver Bullet. L'un des meilleurs. Hein. On a trois. Ah, je suis un peu déçu. Putain, il a trop de cover le type. Hein. Ils l'ont marqué? Ouais, je crois bien. Bon, on va se faire défoncer. Moi, je suis pas très bon en point stratégique. J'aime pas trop en fait. Hein. Mais bon. Je fais le taf qu'il faut. C'est-à-dire faire des kills. Ah, très bien. Bon, bah, vous venez de découvrir un bug avec moi. Oh putain, mec, c'est trop chaud de la bite là. Donc j'aime bien cette map pour l'instant.
Bâtard, fils de pute, il en profite pour mettre deux points là. Avec la putain de balle obsidienne là, tu pues la merde. J'ai même pas foutu de faire un kill avec quoi. Hop. Hop. Là j'étais one shot, mais. Tiens. Satellite déposé. On est en train de. Voilà, hein. Drone ennemi au-dessus. Moi j'ai pas marqué les points, de toute façon c'est déjà mort. Satellite déposé. Drone allié. On va juste le réinitialiser comme ça au moins. Satellite obtenu. Voilà. Hop. Tu die. J'ai l'impression que les mecs qui sont à l'exo-grappin sont plus faciles à tuer que quand on est. J'ai l'impression qu'on tue plus vite, je sais pas pourquoi. Ça fait déjà plusieurs fois que je bute des mecs assez facilement quand ils ont le grappin. Donc je sais pas. Ah d'accord. Là, j'ai fait de la grosse merde. Allez, vas-y mec, je te cover. N'hésite pas à utiliser. Cover de poney, mon gars. Youhou. Bon. Le satellite. Mi-temps. Petite mi-temps. On se met bien. Bon, ils ont gagné, de toute façon. Quoique, c'est assez serré, 5-8, mais je pense qu'ils ont gagné. J'ai pas trop envie de jouer teamplay non plus, moi. C'est vraiment pas mon truc, le plan stratégique. Enfin, j'aime pas du tout. J'ai marqué un point. Au moins, voilà. C'est fait. Donc je pense mettre une vidéo par jour du coup sur ce petit DLC pour pas que ça prenne trop de temps non plus. Ça risque de spam un peu la chaîne de code, mais c'est pas grave. Bon, j'aime bien que tu montes, bâtard. On a perdu le satellite. Oh putain. Il a failli. Je dis bien failli. J'ai sauvé la vie. Hein. Ils ont encore fait une liaison. Oh non, mais ils sont trop chauds, mon gars, laisse tomber. Le satellite est contrôlé par un allié. Liaison établie avec l'ennemi. Colis stratégique. Attends, parce que là j'ai plus de balles, biatch. Putain, mais ça me casse les couilles. J'ai passé le mur. Enfin, j'ai l'impression de galérer comme un autiste. Nice. Moi je vais cover un peu mon point. Hein. Le satellite est contrôlé par un allié. Plus grand monde là. Hein. Nice. On peut peut-être faire quelque chose du coup. Oh genre le mec il me met un putain de turn cut. Ta gueule quoi. Putain mais eux ils mettent que des deux points mon gars. Ils se mettent trop bien. Vas-y. Vas-y dude. Je veux bien que tu crèves, s'il te plaît. Tu m'as vu en plus. Putain de bâtard quoi. Mais qui essaie de s'allonger et tout là. Vas-y, le coin il est safe. Hein. Sauf si il y a un mec qui était par là-bas. Essaye de venir là, Coco. S'il te plaît, parce que je vais pas pouvoir le sécure bien longtemps ton point. Hein. Oh le bâtard. Oh j'ai plus de balles. Oh. Nice. Putain. C'est peut-être les deux points qui ont pu faire quelque chose. Vas-y, allez. Faudrait juste le mettre. Ce serait nice. Un petit deux points. On reviendra à l'égalisation. Là ça va être tendu. Je vais rester là. Pour essayer de cover un maximum.
Ça serait cool qu'on la win. Au moins, on aura eu le mérite de. On a perdu le satellite. Satellite déposé. Putain. Notre équipe a le satellite. Et ils sont chauds. Hein. Ils arrivent en masse et tout. Hein. Satellite déposé. Mon allié au-dessus. Avec 5 balles, mon pote. Pro gamer. E-sport. L'ennemi a le satellite. Satellite réinitialisé. Un mec à ma droite. Bon, de toute façon, je pense qu'on l'a perdu quand même. Ça peut le faire, mais bon, ça va être chaud. Là, je préfère cover mon point, quitte à 1. Lancement du colis stratégique. Notre drone est activé. Quoi que je cherche. Tout à l'heure. On a perdu le satellite. Colis stratégique en approche. Goliath allié dans le secteur. T'as fait peur, toi. Oh là là, je me suis pris une balle de steak, mon gars. Goliath allié opérationnel. Ah, ils ont remis un point. Et on en a remis un deux. Notre équipe a le satellite. Drone allié au-dessus. On va essayer de le brain. Transfert de satellite à distance réussi. Ah le bâtard. Je marque les coordonnées du colis stratégique. L'ennemi a le satellite. Qu'est-ce qu'il a essayé de faire lui? Il a essayé de cuter le Goliath lui, il est un peu con hein. Liaison de données établie avec l'ennemi. Colis stratégique ennemi en approche. On a perdu le satellite. Alors j'aimerais bien te tuer toi s'il te plaît, putain dommage. Bon bah c'était serré hein. Vous n'aviez pas le droit à l'erreur. C'était serré. Donc cette map je l'aime bien mais sans plus. Je préfère quand même les autres que j'ai testé là, les deux autres. Mais bon non, ça va si on est pas dégueu. La map zombie elle a l'air vraiment terrible quand même hein, sans déconner. Alors elle a l'air vraiment super cool. Donc voilà pour cette première vidéo sur les 4 maps du DLC Ascendance. Et puis bah je vous dis à plus et puis à la prochaine. Allez, salut tout le monde. Mario!